Kids. Le ballon rouge, ça raconte. Hein. Moi, je pense que c'est Aladdin ou La sorcière dans Robin des Bois. M'avait fait peur. Pour moi, ce sera Hook. Incognito. Incognito. Et les beaux gosses. Et j'ai le droit, je suis contrôleur. Coyote Girl, Crossroad avec Britney Spears. Mm. Le générique de fin de Very Bad Trip, ça marche toujours. Premier film qui m'a... Orange Mécanique, moi, putain. Orange Mécanique. Non, ça. C'est de la vérité, de l'espoir et beaucoup de courage. Ouais, pas vieux. Mogari no Mori. La forêt de Mogari, je sais pas quoi. Ouais, voilà, c'était à Cannes et j'étais avec que des gens qui trouvaient ça génial et moi je pensais mourir à tous les moments. Bah, Julien, c'est une très belle rencontre. Je sais pas, moi j'aime beaucoup. Eddie, peut-être, ouais, Eddie. Eddie. Et Cookman. Moi j'aime beaucoup le personnage de François Debloc, Samy. Non, le personnage qu'on aime tous. Bah oui, non, mais. Personnage qu'on aime. Bah si, bah le celui qu'on aime bien détester, c'est celui de Geoffrey Poisson, quoi. Arthur Mazel, le personnage le plus insupportable du monde. Hook. Et il était une fois en Amérique aussi, qui a été une grosse claque pour moi. Ninja Kids. C'est quand Julien se pisse dessus. Quand je me pisse dessus à force de rire, ça... C'est mes moments préférés. Forcément, il y a entre nous deux. Après, il y a la rencontre avec Louis Carin. Qui était décisive, qui était notre storyboarder et graphiste et qui est toujours de ce monde, qui est toujours en vie quoi, mais voilà, c'était une grande rencontre je pense de cinéma. Et avec Lionel Deveil, c'est aussi notre monteur. Azanavicius, j'aimerais bien le rencontrer en ce moment. Riyad Satouf aussi, qui ont monté leur boîte de prod ensemble. Ouais, c'est vrai. Moi j'ai tourné ma nouvelle série Gueule de bois la semaine dernière, donc je suis en montage là-dessus, et sinon des réécritures de long métrage et de série, et la prépa de mon long métrage. Moi j'ai créé mon film en ce moment, et j'espère tourner l'été prochain avec justement Nassim qui joue Cookman, qui aura le premier rôle. Franchement, quand on a la première fois qu'on a projeté l'épisode 1 dans Poisson Pêcheur, ouais. Et la tarte qu'on a prise à voir l'effet que ça avait sur les gens. On s'y attendait pas, ouais. Parce qu'on est invité. Il y a un truc qui est intéressant là-dedans, c'est le côté urgent et essentiel dans le projet d'une minute.